Benoît Cachin, bonjour. Bonjour. Pour un livre sur Michel Polnareff. Oui. On vient d'écouter à l'instant, on en riait tous les deux, oui, le message concernant Pascal Obispo, qui, oui, est en tournée France Bleu. Il n'aurait sans doute jamais fait de musique s'il n'y avait pas eu Michel Polnareff. Mais Michel Polnareff, il semble qu'il n'en ait rien à faire. Ah, ils ont des relations un petit peu compliquées. Hein. Déjà, oui, quand Obispo avait repris beaucoup de titres de Polnareff il y a quelques années, ça s'était assez mal passé, puisque Polnareff ne l'avait même pas invité à son Bercy en 2007. Et puis là, dernièrement, il y a eu quelques passages d'armes assez compliqués entre eux. Obispo était un petit peu maladroit et Polnareff, oui, est très susceptible. Donc voilà, c'est, ouais, un peu compliqué. Ce que n'a pas dû aimer Michel Polnareff, c'est qu'on lui dise je vais t'aider à, oui, faire tes, je vais chansons, te donner un coup de main pour finir tes chansons. Sous-entendu, mais... tu sais plus le faire, quoi. Exactement. Alors que Paul. Ah non, 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 il est très susceptible et je pense que Polnareff n'a besoin absolument de personne pour faire de la musique, comme il l'a toujours prouvé d'ailleurs. En revanche, c'est quelqu'un qui est très stressé, qui est dans le doute. Donc, il a toujours beaucoup de mal à finir les choses. Il veut que ça soit parfait, il veut que ça soit le meilleur du meilleur. Donc, il est capable de passer 4 ans en studio pour 12, oui, chansons seulement. Mais malgré ça, il est aussi capable de sortir une petite chanson de temps à autre, mmh, sans qu'il n'y ait d'album. Et puis, la chanson fait fouch. Oui, c'est arrivé quelques fois, quoi, surtout en 2007. Mais en 2007, en fait, la priorité, c'était et les 15 Bercy et la tournée. Donc, en effet, il avait sorti une petite chanson qui s'appelait « Ophélie, la grande Élie », qui n'a pas du tout marché, mais parce qu'il y a eu zéro promotion non plus. Et le principal pour le tourneur, c'était de remplir cette immense tournée qui est même passée par la Tour Eiffel avec 1 million de spectateurs à Paris le 14 juillet. Donc, la priorité, c'était vraiment la tournée en 2007. Là, on va voir ce qui va se passer, puisque l'album devrait sortir en 2015. Il a été reporté, il devait sortir au, oui, mois de novembre 2014. Et en fait, il est repoussé. On va voir ce que Polnareff va faire. Mais bon, je ne me fais pas trop de doutes. Je n'ai pas trop de doutes sur la qualité de l'album. Je pense qu'il va être excellent. Benoît Cachin, vous faites donc dans votre livre... une simple mélodie, hein, il, ouais, s'appelle ainsi. Tout, tout le tour de la carrière de Michel Polnareff jusqu'à présent, il a été extrêmement prolifique comme garçon. Ah, c'est même incroyable, parce qu'il commence en 1966, alors qu'il est quasiment SDF sur les marches de Montmartre, et il va connaître un succès fulgurant à partir de La poupée qui fait non en 66, et jusqu'en 73, où il va y avoir ses déboires avec le fisc, qui ne seront pas de son fait, du reste. Il va classer tous ses disques, tous ses 45 tours, numéro 1 du hit parade, face A et face B. Ceux qui ont connu le 45, ouais, tours comprendront ce que je veux dire. Donc c'est sur 6 ans, on va dire, il accumule les succès, c'est même incroyable. Il a fait trembler tout le show business français, hein, Polnareff. Hein. Johnny a eu très très peur à l'époque d'être détrôné dans le cœur des Français. Ouais. Et puis en 73, donc, il y a la fameuse rupture où, à cause d'un homme de confiance, entre guillemets, qui va détourner tout son argent, il est obligé de fuir la France. Quoi, il aurait pu rester, mais il allait en prison. Hein. Faut dire qu'en 73, Pompidou lui pardonne pas l'affaire des affiches où, oui, il fait voir ses fesses. Voilà. Donc Pompidou avait dit non, non, il ira en prison. Voilà. Donc Polnareff arrive à acheter, avec ce qui lui reste d'argent, un aller simple sur le France pour aller à New York. Et donc il part à New York et là il refait sa vie, sa carrière, et il va vraiment revenir en France en 77 avec Lettre à France, justement, sa déclaration d'amour à la France. Et en 78 il pourra revenir en France, ce qu'il va faire d'ailleurs. Il était heureux en 97 de revenir refaire une tournée. En 2007. En 2007, pardon. Ouais. 2007, oui, oui. Ah oui, 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 il avait très peur parce que forcément, il n'avait pas fait de scène en France depuis 1973. Donc, il en avait fait une à Bruxelles en 75, mais ne pouvant plus rentrer sur le territoire, forcément, il se demandait si le public allait être au rendez-vous. Et en fait, ça a été un raz-de-marée. Il a fait une tournée absolument triomphale. Les Français ne l'ont pas oublié. D'où est venu ce surnom de l'amiral ? L'amiral, c'est lui. C'est lui, voilà, parce qu'il a commencé à appeler ses fans les moussaillons. Oui. Donc, par ricochet, les fans l'ont appelé l'amiral. Voilà,
Donc le commandant de bord du paquebot Polnareff. Et aussi par rapport à son site internet, on voit qu'il est susceptible au point de tout laisser tomber d'un jour à l'autre. Il est capable, c'est quelqu'un qui est un sanguin, donc il est capable d'une phrase, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, de tout arrêter, d'envoyer balader tout le monde. C'est bien pour ça que je pense que la maison de disques a très très peur quand même là. On attend en tout cas son nouvel album avec grande envie. Complètement. On a pu entendre quelques morceaux parce qu'il y a eu un documentaire sur lui. Oui. Et entre autres, on le voit jouer un morceau qui sera sur l'album, qui promet d'être absolument magnifique, qui va être dans la veine du Bal des Laz, par exemple. Donc a priori, il ne devrait pas avoir besoin de Pascal Obispo. Je pense qu'il n'a pas besoin de Pascal Obispo, et sa carrière qui est vraiment étudiée dans ce livre, avec beaucoup de photos inédites d'ailleurs, le prouve. Quand il revient, comme quand il est revenu en 89 avec Kamasutra et le tube Marilou, Goodbye Marilou, on voit qu'il y arrive toujours. Alors on a toujours très peur, et puis il donne toujours le meilleur quand même. Benoît Cachin, outre Polnareff, vous êtes un grand amoureux de la chanson française. Ah oui. Et vous avez sorti deux autres livres. Exactement, sur le même principe. Voilà. Et Étienne Dao. Voilà, Étienne Dao qui est en tournée en ce moment. Je ne sais pas s'il va passer dans votre région, je pense. Et puis, donc Mylène Farmer, qui elle aussi a une carrière et un univers très très particulier. Voilà, ce sont à chaque fois des personnages un peu timides, un peu réservés, un peu mystérieux. Mais c'est ça qui fait aussi leur charme. Les lecteurs de la Foire du Livre de Brive sont mélomanes ? Ils aiment la chanson ? Écoutez, pour l'instant, oui, ça se passe très bien. Donc moi, je suis très content. Ils aiment bien. Alors c'est marrant parce que justement, comme j'ai les trois, qui sont quand même trois personnages assez différents, c'est marrant. Donc j'ai des fans de Polnareff, de Mylène et d'Étienne Dao. Donc c'est rigolo, mais c'est toujours très sympathique parce que au-delà de la dédicace, c'est aussi le contact avec les gens parce que moi, j'ai la chance d'avoir un sujet où les gens ont beaucoup de souvenirs. Oui. Ils ont vu soit en concert, soit acheté les 47 tours. Ils ont même rencontré des fois leur femme ou leur mari sur des chansons de Polnareff ou de Dao. Donc, c'est rigolo parce qu'on évoque tous ces souvenirs et c'est très, très agréable. Très agréable. Merci beaucoup, Benoît Cachin. Merci à vous. Michel Polnareff, Une simple mélodie, c'est paru aux éditions Grund. Merci beaucoup. Merci.